bienvenue à tous pour les Corsica Battle 2022. Donc pour le WOD numéro 1, vous aurez un élastique. Il y en a un qui est dedans. Un qui est dedans. Et les autres qui tiennent. Et du coup, vous êtes obligés de courir comme ça. Elle sera à 800 mètres. Vous devez faire le tour de la flamme à 3. Quand vous revenez ici, le temps du maïs est un score. Vous arrivez ici, deux dumbbells de 22,5. Donc il y en a un qui va venir récupérer le dumbbell en overhead, un bras, le 22,5, et un qui se repose, et l'autre qui doit faire les thrusters. Deux questions ? C'est LOL. Oui ? C'est pas vraiment être star, moi, ça. Comme vous voulez. Donnez-vous à fond ! Seconde ! 3, 4, 9, on l'accélère ! Les dernières ! On est au bon champ, merci. Allez gars, finissez. Mulan fait trop le mec avec son squat de bâtard, mais il faut moins vite que ma grand-mère. Je dis, c'est là, toujours la juge qui commande les sauces frog donc de Bastia qui va dénoncer. On a aussi la team de Watt qui arrive. La team d'Exilière qui vient d'arriver aussi. Il y en a bon entre Exilière et la team Décorté. 55 pour la team Exil, ils ont un avantage pour la team Décorté. Tout, ils ont un tête, tout pour aller chercher au moins les 200 mètres en bref. On va arriver à 100 mètres pour la team Exil. La chance tout bas, leur numéro 3 la team Exil. Reste dedans frérot, reste dedans. Ça va vite, on est déjà à 2221 reps pour la team de Corté. Ça va vite aussi pour le couloir 3, la team des Exilières. Allez, tabasse, bon, sinon, tabasse. On arrive à 280 allez, bon, allez. 280 pour la team de Corté. On accélère, 20 secondes. La team Exil, on accélère également, la jambe tout droite. 15 secondes. 10 secondes. Dernière rêve, encore, on accélère, on met la cadence. Allez. Les dernières rêves, les compagnons. Allez, 294 reps, ce sera le top score de la team du CrossFit Corté. Désolé. Tu me fais une petite analyse ? C'est la merde. C'est le cartel. C'est le cartel de Médéline. Il y a un deuxième sac avec la blanche en avant, non ? Pas mal le rouleau. J'ai peur de pas tomber. Alors, je t'explique. En fait, je voulais masser ma boîte plantaire et comme j'avais rien, j'ai pris la boîte de café soluble qu'a acheté Yannick. Parce que oui, Yannick il a acheté du café soluble alors qu'il voulait acheter le truc pour le acheter un café, mais il savait pas qu'il avait une scène CO, tu vois. Donc il s'est complètement trompé, on est obligé de boire du café dégueulasse. Mais bon, je te passe pas ce détail, c'est pas important. Donc en fait, là, j'étais en train de me masser les pieds avec une Nescafé soluble et là, oh, incroyable. Or là, tu vois, c'est vraiment le genre d'ami que quand même t'as pas d'amis, bah lui c'est quand même ton ami, tu vois. Et en fait, il m'a sorti sa super gourde unique, j'adore. En fait, elle a trois utilisations. Tu peux la remplir avec de l'eau, oh, comme ça tu vois, oh c'est trop bon. Ensuite, elle fait rouleau de masse. Regarde, comme ça je peux m'écrabouiller la voûte plantaire afin de libérer mon psoas et ensemble mes fascias. Et en plus, ce soir avec les potes, ils vont pouvoir me mettre dans le cul parce qu'en fait, elle est tellement large. Regarde, avec ça, mon profilé, je vais pouvoir me lancer dessus et hop, je la fais disparaître. Incroyable. Mais bon, ça je préfère pas le faire maintenant parce que je t'explique. Après le 1600 mètres, il va falloir que je fasse des thrusters. Et si j'ai la muse dilatée, j'en mets de partout. Eh, hey, il y en a déjà assez de premières impacts qui suffit quand tu fais des DU. Hein. Pardon. Faudrait qu'on soit calme, comme ça en même temps, tu vois. Sinon, moi, j'ai... Dans mon Gucci, les gars. Redites-moi l'ordre, c'est knee raise, toast to bar. Non, knee raise, pull-up, toast to bar, chest to bar, monsieur. Je pense que c'est sans knee raise, il peut vraiment t'enculer l'oeil, en fait. Comme il y a toujours le troisième qui récupère, on peut vraiment brutaliser la répétition. Pour l'exemple des thrusters. Le principe est pas d'aller à l'épuisement. On y va, bam, 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 bam. Au moment où ça commence à faire, bam. Bam, ok à moi. Bam, bam, bam. Et tu vois, c'est ce rythme-là qui va faire un maximum de répétitions. Et tu peux pas le faire quand le troisième il récupère pas. Non, je pense que c'est un vieux. Bonjour. Ça fait déjà 4 étages qu'on fait pour rien, donc. Le 4ème étage est vraiment sympa. Le 2ème aussi. Skip, j'ai la coupe de ce mec.
Oh, c'est des gros plans. Je te demande pour savoir si je me suicide sur la gym ou pas. Ah, tu peux y aller sans problème. Voilà, c'est bon. 3, 2, 1, go. On est parti. Ma soeur officielle. Ça c'est pas mal, franchement. Tiens celle-là. Quand je suis passé. Arrache-la. Sérieux? Oui, bah, ça va en balance, ça va en balance. Voilà. Allez, prends. Est-ce que vous voulez que je vous claque les trois belles? 11. Bon, numéro 10, on prend de Mauriac, un X-Men de Bandol, c'est l'agence Toua Dixid. 3, 2, 1, go! C'est parti, messieurs! On a que la vague numéro 11. C'est pas ça, c'est que au lieu de... C'est de la récup, hein. J'utilise un vaudou floss, je suis pas en train de me séguer au restaurant. Hein.
Tu m'as fait une blague que j'ai bien. Je suis super en forme. C'est tout ça la blague. Aujourd'hui, testons la dinde panée au pago. J'ai tapé sur le truc, le cul a implosé, je me suis versé une bouteille de pagoisseux dans mon plat. Qui était d'ailleurs très très bon, très bon restaurant, on mange bien. Pas assez créatif quand même. Non, je suis obligé d'améliorer la recette. Ça manquait un peu de sauce. On a loupé ce moment épique. C'est pas dégueu hein, c'est pas dégueu hein. Non, c'est un fort time. Je suis vraiment nul. 50 squats avec le warm. Ensuite tu nages jusqu'à je sais pas où, il a même pas montré, il mettra la bouée demain. Mais c'est très très loin. Et au retour tu fais 50 centres avec le warm. Natation, je pense que t'es pas prêt, pas bien. Mais mec, je sais pas si vous imaginez. Et là, on est au clos. On va le plus. Là, il est en train de faire. Je vais essayer de voir si la fille de sens prend de corté. Si, je vais faire de l'ironie. 3 éclipses, les cannes. Putain de tortue, les prestations. Amrap 6 minutes, Max cale ski erg. Et pendant qu'il y en a un qui est au ski erg, il y en a deux autres qui se relaient en handstand. Handstand, il y a plusieurs possibilités, peu importe la catégorie dans laquelle tu es. Si tu fais un wall walk, c'est 2 points. Si tu fais 5 mètres de handstand walk, c'est 5 points. Si tu fais une rampe côté pente, tu commences par côté pente, c'est 15 points. Si tu fais une rampe, tu commences par côté marche, c'est 30 points. Vas-y, on va faire que des côtés marche, mec. Moi, je peux faire un rap 6 minutes, rampe, marche. Pour un jour de merde, gosse. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 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 allez
mec, il a fait 1000 points de 40, tu penses? Ouais, je crois. Non. Bah, si. Le ski arc, c'était bien? Ah, moi, ça m'a paru très bien. J'ai quoi, jamais pris de repos. Je me suis arrêté, je crois. J'ai fait deux fois le premier. Ça a rebalé, car. Bravo, mec. La rampe, c'était de l'eau. C'était les escaliers. Ouais, je t'ai vu. À cloche-pied. 4 pistoles à faire en synchro, à génial. 3. Super. 6 warm clean, 105 kg à 3. 8 burpees over the worm à 3. Et un round de GT fat bar à 67 kg, sachant qu'il n'y a qu'un athlète qui peut toucher la barre au premier tour. Dans cette config là, en vrai, nous on peut s'enculer à prendre le worm. Bien sûr, tu le fais avec nous parce que t'es obligé, mais à ce qu'on te place et qu'on vraiment te soulage. Moi je suis arrivé au BNN fat bar, j'étais là. Ça va rouler, c'était DT. Sur 170 reps, je pense que j'en ai fait 20. Et Mika, il en a fait 150. Donc 3 tours, time cap 15 minutes. Pour lui, 5 agences tout bas d'exilière. 3, 2, 1, go! Vous êtes parti! À mon rythme! She wants in a jack again, I see some sweet beer beans. Over the moon. She wants in a jack again, I see some sweet beer beans. Over the moon. On se fie à moi, ouais, d'accord. Non, mais tu sais qu'on a fait pas, on a pas fait 8 burpees en dernier, on a dû en faire 10. Hein. C'est parce qu'on a pris du Nord, c'est notre seul. Bah oui, parce qu'on était pas à synchro. Non. Ouais, road final. On me rappe 15 minutes. C'est de la merde. Top action, seconde prise. Le road final, on me rappe 15 minutes. Cash in, central, rameur. Et les deux autres qui travaillent pas, des deadlift hold avec la fat bar à 100 kg. Tu pars sur un découpage comme tu veux. Il y a trois mouvements. 3, 3, 3, 6, 6, 6. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la mort s'en suive. C'est 3 pull-up strict sur le yoke. Génial. Après c'est 3 DU avec la Heavy Europe. Et ensuite c'est 3 clusters, hang cluster. Avec 2 dumbbells de 22,5. Est-ce que tu peux passer à côté d'un des mecs de Corté? Et tu leur coupes juste les tendons derrière le genou. Genre tu tombes et tu fais. Parce que si jamais il y en a un qui perd son tendon rotulien par exemple, on peut faire premier. Même avec ça je pense pas. Mon objectif est de faire meilleur que les quatrièmes. Donc stratégie, on regarde ce qu'ils font, on fait une rep de plus. Attends,
Champion d'Afrique est corné. 2 minutes. Attention les gars, pas de Noël. Léger avantage pour la team Lexinière. Il vous reste un peu de se faire chipper la seconde place. Go, 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 guys. La dernière pour les gagnants. 1 minute 30. Les juges en compte, les juges comptés, comptés, comptés. Voilà, dernière minute. On est sur la série de 27. Non, 5 secondes. Dernière minute. Égalité. Oui. Égalité parfaite. Une heure d'avance pour partir. Seconde. Encore. Jusqu'au bout. La dernière. 4, 2, 1. Et ça. La team de Pantol qui a remporté cette finale. Ça c'est choix, quelques règles. On peut la team Lexine. Là on a le score, on peut la team Lexine. Les Watts, hein, on va avoir le score, on peut la team le Corté. Oh là aussi, ça c'est choix, une règle. Une règle à la fin entre les deux équipes. C'est la team de Corté, 14, presque 1. Presque 1 pour Lexine hier. Ça c'est choix, une règle. La team de Panda qui va s'imposer. On se retrouve. Je vous attends l'an prochain, les gars. C'est bien, les gars. Bravo. Monte sur la seconde marche du podium de l'autre côté de l'internet. La team Lexinière, l'agence Two Watts. Et enfin, remporte cette édition 2022. La team de CrossFit Corté de Allez, venez, voilà, rejoignez-nous s'il vous plaît devant le podium, enfin la photo avec Laurent qui est encore refait. Les athlètes qui sont là, vous restez avec nous, prenez une photo générale. Bénévole, s'il vous plaît, venez devant le podium. L'année prochaine, il y aura un nombre de plus, on verra. Là, on rentre. On a gagné. Là, on a fait deuxième. Ah, mais c'est une sacrée remontada quand même. On commence 6ème parce que j'ai un pote qui voulait pas courir. Et voilà. On fait 2ème, on commence à la finale 3ème avec des points contre double et en double score, un truc à la con. J'avais très très peur, personnellement j'avais très peur. Mais. Papy est toujours là en faisant plus de box que le crossfit, on a réussi à faire ça, c'est énorme. Grosse compétition, gros niveau, grosse ambiance. Corsica Battle, il faut vraiment venir parce que moi ça fait 2 fois que je le fais. Et à chaque fois c'est un bonheur. Voilà, Laurent et son équipe, vous êtes des monstres. C'est sûrement la plus kiffante des compétitions que j'ai jamais faites. C'était déjà le cas avec Cornella Tony, que j'embrasse. Il y a 3 ans, je crois, et c'est toujours le cas. Voilà, baisse compète. Si je dois en garder qu'une, ce sera celle-là. Et toi, là, derrière? Il dit que je voulais pas courir, mais là, ce qui se passe, c'est que Yannick et moi, on va prendre le bateau. Parce que nous, on a du travail, et moi, demain, je reprends l'entraînement. Hein. Mais Papy, il a besoin d'une nuit de repos. Et puis Fabien, il doit chercher son snatch quelque part sur la plage, je sais pas où il est. On vous mettra en même comme il s'est fait découper par sa barre. Et voilà. Parce qu'on a rarement vu un mec se faire plier comme ça, à part un clic-clac. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. Bis, cœur, cœur, ciao, ciao, plus. Et on vous aime. En LAN, tu t'es baltringuisé. Guillaume rigole, pas t'es vraiment pas massif. Guillaume, en fait, c'est un ficello.